Allez, déchirez tout. Fun lovers is a bar is where I go. Meet my friends at the table doing shots, drinking fast, then we talk slow. I'm already stop a conversation and chats me, I give him church. Now I take my hand, stop, and I'm on a jukebox, and then reach out to dance, and I sing a line. Now you know I want to love, your love is sent me for somebody like me. Come and follow my lead, I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk. Too much, grip on my waist and put that body on me. Coming up, falling my lead. Coming up, falling my lead. I'm in love with the shape of you. I push and pull like a madman do. I wear my heart that's falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and all my bitches smell like you. Every day discovering something brand new. Chanson de Chiran dans l'équipe de Patrick Fiori. Quelle ambiance! Et le coach qui ne peut pas s'empêcher de le féliciter, évidemment. C'est magnifique. Ça vous a plu? Oui. Vous avez aimé la scène? Oui. Vous avez aimé? Ils ont bien joué, les musiciens, ou pas? Je remercie les musiciens. Les meilleurs! Les c'est meilleurs. Exceptionnel qu'ils jouent aussi bien. C'est grâce à vous, hein, je vous le dis. C'est... Bon, monsieur Patrick Fion, là, les petites princesses, elles ont envoyé du lourd, elles sont amusées. Et on dirait qu'elles ont grandi dans le même château. Hein. Donc, je suis très touché que vous ayez accepté les quelques petits conseils. Ils se ressentent là, c'est terrible. Vous donnez 10 fois plus que ce que j'ai pu vous offrir comme petit cadeau. C'est une montagne de cadeaux, aujourd'hui c'est Noël, quoi. Donc, merci. Vous l'avez essoufflé, il a bougé. Ça va être difficile de départager vos 3 princesses, on le sait. Mais vous savez que c'est un peu la règle du jeu. Qu'est-ce que vous gardez jusqu'à présent de ce que vous avez vécu dans The Voice, les filles? Pour moi, c'est une super aventure et je suis très contente de la vivre avec vous. Voilà. C'est une super belle aventure avec des copines bas en or. Patrick Fiori qui nous a suivis jusqu'au bout. Et franchement, ça, si c'est pas exceptionnel. C'est tout ce que tu veux. Et comme c'est exceptionnel aussi, c'est magnifique. Tu as raison. Dis-le comme tu le sens. Irma? Moi, je remercie juste les juges pour retourner à l'audition à l'aveugle. Je vous remercie vraiment. Je vous tiens vraiment à cœur. Je suis impressionné par vous, les filles. Moi, je voudrais quand même avoir l'avis des autres coachs. Jen? Franchement, c'est vraiment pas facile, Patrick, parce que t'as 3 bijoux. C'était digne d'une saison chez les adultes. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une belle cohérence entre vos voix. En même temps, on les distinguait bien. Je vous trouve extrêmement mature, en fait, pour votre jeune âge. Je suis très surprise de l'assurance que vous prenez sur cette scène. Vous avez fait attention l'une à l'autre.
Et c'est ça qu'on recherche, nous, les coachs. C'est cette union qui fait la force sur scène. Mais pour la suite des événements, j'avoue que j'aime bien la folie d'Irma. Merci beaucoup. Elles ont toutes les trois des habits de lumière, soprano. Ah ouais, c'est des étoiles. Et ça fait super plaisir. Non, franchement, j'ai kiffé parce que j'ai senti qu'elles étaient contentes, qu'elles chantaient, elles avaient le sourire. J'ai senti que le stress est parti. Surtout, je me rappelle, Lina, tu l'as pris à la dernière seconde. Et elle avait l'émotion. Là, je l'ai senti, elle était à l'aise, elle chantait. Bon, Irma, toujours à l'aise. Son grain de voix, je ne sais pas où tu l'as trouvé. Et Lilona aussi, j'ai senti une amélioration encore par rapport à la dernière fois. On sent le travail. Ça fait super plaisir. Vous nous avez offert un super spectacle, les filles. Franchement, merci. Ça va être très dur pour Patrick. Mademoiselle Amel. Moi, je suis très émue par ce que je viens de voir. C'est vrai que j'ai des souvenirs des auditions à l'aveugle. Et je me dis, waouh, quelle évolution. C'est incroyable ce que vous avez donné. Vous avez vraiment pris possession de la scène et de nos cœurs, hein. Bravo ouais. Les filles. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Quelle que soit la décision de votre coach, soyez certaines qu'il vous aime toutes les trois. Moi aussi, je l'aime. Ouais, bah, regardez. Merci. Patrick, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais commencer par Lina. Quand tu es arrivée la première fois sur scène, tu étais tétanisée, terrifiée de peur, ce que je peux comprendre. C'est vrai? Oui. Et entre ce moment-là et maintenant, tu as fait un grand écart. Et tu as fait une prestation d'enfer. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup. Ilona, bon, toi, tu es prête, quoi, vocalement, tu as le sourire, tu as la pêche. Et puis, je te trouve dans l'affection et dans le partage. C'est ce que j'ai aimé aujourd'hui de toi. Merci beaucoup. Irma, tu as la voix soul, tu as la voix jazz, tu as la voix variété, tu as la voix rock. On ne te met pas dans une case, tu es libre, ça se sent. C'est pour ça que je vais venir vous voir, les filles, parce que je crois en vous. Si pour certaines, c'est pas aujourd'hui le jour, ça sera demain ou après-demain. Vous êtes extraordinaires, toutes les trois. Toi, tu viens avec moi. Irma, avec son coach, Patrick Fiori. Patrick Fiori a fait son choix. C'est donc Irma et son timbre jazzy qui remontera sur scène la semaine prochaine pour la demi-finale. J'ai trop peur. J'ai vraiment de l'émotion en moi. Irma, 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 Irma. Oui, surtout travaille, travaille, travaille ta voix encore. Tu vas y arriver, tu y arriveras. C'est une question de temps et de travail. D'accord? Ok? Allez, va, file. À bientôt. Boss. Boss. Lina et Ilona quittent la scène de The Voice Kids sous les applaudissements et le regard fier de leur coach, Patrick Fiori. Oh, c'est dur. J'en ai transpiré partout. Oh là là. J'en parle, ça retranspire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connectés. À plus tard.